Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim, et aujourd'hui je suis très 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 contente de vous retrouver sur cette chaîne puisque j'ai été absente un petit moment, j'ai pris une pause bien méritée et là je vous retrouve dans un nouveau décor avec une nouvelle disposition pour vous faire ma pile de livres à lire M.H. Tapal en 2023. Donc l'objectif est tout simplement de se débarrasser des livres qu'on a sur nos étagères qui accumulent la poussière sans qu'on ne les lise. Et pour l'édition 2023, M.H. nous est arrivé avec 12 belles catégories, donc je vais m'y plonger en profondeur en vous présentant ma sélection. Si ça vous intéresse, restez avec moi! Alors, juste avant de se plonger vers l'avenir en 2023, on va revenir rapidement sur 2022, parce qu'à quoi ça sert de se faire des objectifs si on n'a pas réussi ceux de l'année passée? Mentalité d'une type 3. Bref, je dirais que je suis assez fière de mes choix. Au début, je les partageais pas trop parce que c'était pas nécessairement les titres que j'avais choisi au début de l'année, donc j'étais pas sûre exactement comment les présenter, si je les changeais, tout ça. Si on regarde le tableau de comment ça a été dans les mois, ça a très très bien commencé, puis plus les mois avançaient, plus je salais, plus j'étais pas sûre que j'avais envie de lire les livres que j'avais pledgés au début de l'année, comme à chaque année. Bref, en date d'aujourd'hui, le mois n'est pas terminé, donc je continue à lire. Puis même si j'ai pas lu les titres précis que j'avais espéré lire au début de l'année, bien c'est sûr qu'à la quantité de livres que j'ai lus, il y en a qui pourraient fitter dans d'autres catégories. Alors bref, maintenant on peut fermer cette parenthèse-là. Alors, la première catégorie, c'est le plus vieux livre de votre pile. Pour cette catégorie-là, je ne connais pas avec exactitude la bonne réponse. L'année passée, j'avais dit Joseph Heller, Catch 22, que je n'ai pas lu finalement. Pour cette année, je vais aussi y aller avec un classique, mais un différent, et c'est un choix très stratégique, Les Hauts de Hurlevent par Emily Brontë. J'ai choisi ce livre-là parce que, évidemment, il m'intéresse, et aussi parce que M.H. la lectrice a démarré un club de lecture pour ceux que ça intéresse de vider des classiques de sa pile à lire, et puisque j'en ai quand même un bon 15-20% des livres que j'ai sur mes bibliothèques qui sont des classiques que je n'ai pas encore lus. Donc, j'ai décidé de participer à son club. Surtout que le premier titre, c'était celui-ci que je n'avais pas encore lu. Donc, ce sera celui-ci. Le titre est tellement connu que je pense qu'il se passe de présentation au niveau du résumé. Deuxième catégorie, un livre acheté à cause d'une communauté web. Pour celui-ci, j'ai décidé d'y aller avec Donna Tartt, même si je n'avais pas beaucoup apprécié The Goldfinch. En fait, je l'avais détesté. Si vous voulez voir ou revoir ma progression du Chardonnay, je vais vous laisser le lien de mon vlog du mois de mai dans lequel je l'avais lu et c'était une torture. Mais je vais lui donner une autre chance à cause que j'aime beaucoup plus le contexte de celui-ci, qui est The Secret History. Donc ça se passe dans un collège, à l'université, il y a un groupe d'amis, Misfit. C'est déjà important, c'est des éléments qui sont vraiment gagnants avec moi. Mais la twist, c'est que ça va être dans une ambiance très sombre, très dark academia, puisqu'il va y avoir un meurtre parmi le groupe d'amis. Si on sait dès la ligne 1, mais on sait pas c'est qui l'a fait, je pense. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, puis si jamais je l'aime pas, ben je donnerai plus de chance à Donna Tartt, malheureusement. La troisième catégorie, c'est poursuivre ou terminer une série en cours. Pour ma part, je suis pas vraiment de série. Depuis que je suis plus vraiment intense dans le young adult et que j'ai comme élargi mes horizons, je lis pas énormément de séries. Je pense que la dernière série que j'ai lue et même pas terminée, c'était The Well of Ascension qui me restait de la trilogie Mistborn de Brandon Sanderson. J'avais beaucoup aimé le premier, j'avais pas vraiment aimé le deuxième. Le troisième paraît que c'était bon, mais là, ça fait tellement d'années que j'ai décidé de l'abandonner. La série que je lis en cours, c'est Saga, que j'adore vraiment beaucoup, par Brian K. Vaughan. Il s'agit d'une série en graphic novel. Là, celui qui est sorti en 2022, c'était le volume 10, mais je peux pas nommer le volume 11 comme étant celui que je veux lire en 2023, puisqu'il n'y a pas de date qui a été annoncée, malheureusement. Alors, à la place, ce que je vais nommer, c'est le quatrième tome de la série de Catherine Francoeur, aussi connue sous le nom de Catherine Girly Addict. C'est la série Dans la tête d'Anna.com, publiée par les éditions de La Bagnole. J'ai lu les trois premiers tomes et ça se lit super bien. C'est une ado qui est au secondaire, qui a sa vie d'école, puis qui trouve que sa vie est un petit peu plate. Donc, elle va s'inventer une persona, une personne virtuelle qui s'appelle Anna, et dans son blog, elle va lui inventer des histoires rocambolesques pour passer le temps, sauf qu'elle va se faire découvrir à un moment. Donc, j'ai bien aimé le troisième tome que j'ai lu cette année, et le quatrième tome a été annoncé pour le printemps, je pense. Je sais pas si c'est le dernier, mais je pense que oui. De toute façon, dans les deux cas, ça va cocher ma case. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est un livre vous sortant de votre zone de confort.
Là, j'ai beau avoir épluché ma bibliothèque, puisque ça se trouve à être pas mal les livres que je lis d'habitude, même si c'est dans des genres variés, j'ai vraiment cherché fort pour trouver quelque chose qui me sort de ma zone de confort. Et finalement, mon choix s'est arrêté sur le seul intrus, le seul de sa catégorie qui se trouvait dans mes bibliothèques, et j'ai nommé The Secret. Oh non, c'est juste Secret. Un roman par Elle-Marie Adeline. Il s'agit d'une romance érotique en anglais que j'avais reçue, je pense, gratuitement quand je travaillais au Indigo. Donc ça fait vraiment longtemps, comme cette année et plus. Puis c'est l'histoire de Cassie Robichaud qui va avoir perdu son mari. Donc c'est une femme dans, je sais pas écrire son âge. Puis elle travaille dans un café, puis sa vie est assez plate, triste. Elle revient à la maison, puis je pense qu'elle a un chat, puis c'est comme une existence très, très, très solitaire. Elle est dans un petit appartement. Et ce qui va la sortir de cette phase-là de sa vie, c'est qu'elle va un jour tomber sur un carnet de notes laissé par une mystérieuse femme au café où elle travaille. Et là, elle va lire un peu le contenu et elle va se rendre compte que c'est des aveux, des confessions. Et elle va un peu plus en apprendre sur la société secrète underground qui existe pour aider les femmes à réaliser leurs fantasmes les plus fous, les plus wild, les plus intimes. Donc, ça va vraiment l'amener ailleurs et la sortir un peu de sa vie un petit peu renfermée, solitaire dans son coin. Alors, c'est vraiment un livre qui va me sortir de ma zone de confort puisque je ne lis jamais de romance érotique. Prochaine catégorie, une brique de 500 pages et plus. En épluchant ma bibliothèque, je me suis rendu compte avec beaucoup d'étonnement que je n'ai pas vraiment beaucoup de briques au-dessus de 500 pages. J'en ai lu quand même quelques-unes cette année. The Secret History aurait pu figurer là-dedans puisqu'il fait 559 pages, mais j'ai décidé d'y aller avec un nouveau titre. Pourquoi pas se challenger? Alors, j'ai décidé d'y aller avec un classique qui était bien apprécié sur BookTube. Il s'agit de John Steinbeck, East of Eden. Donc, quand même, plusieurs pages, 601 pour être plus précis. Et c'est ça, je me souviens plus vraiment du résumé. Ça se passe dans la vallée de la Caroline du Nord. Puis, il va y avoir deux familles, une rivalité. Puis, bon, j'ai lu en diagonale, puis je me souvenais de rien, mais j'ai vu le mot rivalité, puis ça m'intéresse beaucoup. Donc, je vais l'essayer quand même, puisque j'avais envie pour cette édition-ci de vraiment choisir des titres qui m'importaient, qui m'intéressaient, qui me faisaient vibrer à l'intérieur. Pas juste des titres que tu es comme, ah ouais, je pourrais peut-être. Souvent, ça va être les titres que tu vas pas lire à la fin de l'année, puis moi, j'aime pas ça, pas avoir la note parfaite. Alors, c'est pour ça que j'avais envie de choisir seulement des titres qui allaient vraiment m'allumer, puis que j'avais vraiment des chances de réussir. Donc ça, c'est le seul qui serait borderline, je dirais. Mais à cause qu'il a été beaucoup apprécié, ça m'encourage beaucoup et il y a une version audio qui est disponible. Ensuite, un livre avec du brun sur la couverture. Pour cette catégorie, j'ai décidé d'y aller avec le club des Dames d'Argent avant. Donc c'est le premier tome. Il s'agit d'une histoire qui se passe à Montréal, je pense, en 2017. Oui, c'est ça, à Rosemère. Il va y avoir 8 femmes dans la soixantaine qui vont se rencontrer. En fait, elles se connaissaient déjà avant de la bibliothèque, il y avait un club de lecture là, et elles vont se retrouver par Facebook, et elles vont décider de se revoir et discuter de leurs accomplissements, leurs réflexions entourant leur vie, leurs échecs, leur existence en général. Puis quelques années plus tard, elles vont reformer un club de lecture ensemble. Donc j'avais vraiment hâte de voir les différents personnages, leur impression de livre. Je ne sais pas si ça va être des livres que je vais avoir lus aussi, si ça va être le challenge de voir, ah, oh, je l'ai lu, qu'est-ce que j'en ai pensé, versus qu'est-ce que les personnages en ont pensé. Les clips de lecture, c'est une trame narrative qui m'intéresse beaucoup puisque j'ai l'impression qu'on peut vraiment apprendre à découvrir les personnages, leur personnalité, leur goût, leur peur, leurs préférences à travers les commentaires qu'ils font d'un livre qu'ils ont lu. Donc, c'est pour ça que je vais beaucoup, beaucoup lire ça avec attention. J'ai hâte de voir comment que l'autrice va traiter du sujet. Justement, le fait que ces femmes-là soient dans la soixantaine, j'étais vraiment intéressée par ce détail-là, à quel point ça va influencer leur perspective si c'est un sujet qui est récent, actuel. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Un livre dont le titre ne fait qu'un seul mot. Bon, pour cette catégorie-là, le livre que j'ai acheté, je l'ai acheté du temps que j'étais au Indigo également, donc ça fait vraiment, vraiment longtemps. Et il s'agit de Malavita par Tonino Benakista, celui-là que j'ai traîné d'appartement en appartement, en maison, puis que je n'ai jamais lu, mais que j'avais envie parce que je ne sais pas si le livre est venu avant le film, mais le film La famille, de Familia, avec Robert De Niro et la fille qui jouait dans Glee. Un film dont je me souviens très bien, j'ai hâte de redécouvrir les personnages sous la forme écrite. Un livre pour apprendre ou réfléchir.
Pour celui-là, je vais y aller avec un livre que j'ai acheté au mois d'avril, que j'avais vraiment envie de lire, que j'ai trouvé en version française, mais j'aurais pu le lire en version anglaise. C'est Brené Brown, La grâce dans l'imperfection. Puis j'aime vraiment le mot grâce, malgré qu'il soit dans la même phrase qu'imperfection. Puis ça va être un livre très, très, très intéressant pour moi parce que j'ai vu des citations ici et là qui avaient été postées sur les réseaux sociaux, puis ça me parlait vraiment beaucoup. Le genre de citation que ça te prend un bon 2 minutes avant de bien la comprendre, l'assimiler, puis t'en souvenir. Donc ça va vraiment, vraiment me faire plaisir. C'est sûr que je surligne dedans. Donc le sous-titre, c'est Lâchez prise sur ce que vous pensez devoir être et soyez qui vous êtes. Puis à l'endroit, ce qui m'intéressait, c'est que ça disait, il peut être inconfortable et souvent risqué, en particulier quand il s'agit d'accepter nos imperfections, de cultiver l'authenticité et de regarder l'univers dans les yeux en disant, je suis à la hauteur. Et bon, voyez, ça va être vraiment très, très, très confrontant pour mon type 3 parce que c'est tout ce qui va à l'encontre de remettre en doute ma valeur et tout ça. Donc, ça va être un défi, mais je suis sûre que ça va me faire énormément réfléchir et énormément apprendre. Ensuite, prochaine catégorie, un livre publié avant l'an 2000. Pour celui-là, évidemment, ça allait être un classique, mais j'avais pas envie, comme je vous ai dit tout à l'heure, de choisir un livre que, ah ben là, tu sais, je vais choisir Emma de Jane Austen ou tel autre, que le résumé me parlait pas plus. J'avais vraiment envie d'un livre qui me fasse genre, waouh, j'ai vraiment hâte de le lire. Et pour cette raison-là, j'ai décidé d'y aller avec Little Women par Louisa May Alcott, parce que c'est un livre que je voulais lire tout au long de l'année 2022, parce que j'avais super hâte de voir le film qui avait été sorti en décembre 2021. C'est 2020, je sais pas. En tout cas, ça fait un moment que je voulais vraiment voir le film. Évidemment, je voulais lire le livre avant, mais ça l'a pas à donner. Donc, j'aimerais vraiment, vraiment ça le lire en 2023. On lâche pas, il en reste juste trois. La prochaine catégorie, un livre écrit par un ou une auteuriste que vous aimez. 2022 a vraiment été l'année de Taylor Jenkins Reid. C'est fou, je pense que j'ai lu 5 livres d'elle cette année. Je les ai vraiment beaucoup appréciés en général. Alors, c'était évident pour moi que j'allais continuer de la lire en 2023, surtout qu'elle avait annoncé qu'il n'y aurait pas nécessairement de nouveaux romans. Pour ça qu'elle ne la replace pas vraiment avec son nom, elle a été très populaire grâce à ses séries de femmes célèbres. C'est pas vraiment une série, c'est juste que les personnages évoluent tous dans le même univers et ils vont se croiser à l'occasion, si on est très attentif. Donc, il y avait ces 4 livres-là très, très, très populaires. Mais juste avant, elle avait fait 4 livres qui étaient plus des romances contemporaines. Et j'ai aimé autant ces livres de la première catégorie que la deuxième catégorie. Alors, c'est pour ça que mon choix s'est arrêté sur After I Do, avec les personnages de Ryan et Lauren qui sont mariés, mais qui arrivent à un moment de leur mariage où ils s'ennuient un peu, il n'y a rien de magique, c'est comme plat. Donc, ils vont embarquer dans une idée d'un plan non conventionnel de ne pas se voir pendant un an. Un an entier, ils font ce qu'ils veulent, ils vont chacun de leur côté, et la seule règle, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se contacter. Alors, ce roman-là va brasser toutes les idées, les conceptions autour de la monogamie, qu'est-ce qui se passe quand l'amour s'estompe, s'il n'y a plus d'amour dans le couple, qu'est-ce qui les tient ensemble. Donc, c'est aussi de s'ennuyer de l'autre, vivre la distance. Donc, j'ai vraiment super, super, super hâte de le lire. Mais je vais essayer de lire. Il m'en reste 3 en ce moment à lire, je pense. Alors, puisque l'autrice a annoncé qu'il n'y aurait aucun nouveau livre en 2023, je vais prendre mon temps. Ou encore, je pourrais toujours relire d'anciens favoris. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est un livre choisi au hasard. Alors, pour cette partie-là, c'est vraiment excitant parce que je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Est-ce que ça va être un service de presse? Est-ce que ça va être un roman fiction? Un livre non-fiction? À voir. Là, d'habitude, les règles de la pige, c'est que j'ai le droit de le remettre dedans ou de passer mon tour puis le lire une autre fois si j'en ressens pas l'envie en ce moment. Mais là, c'est dans le cadre de Emma Chapal, c'est-à-dire un livre choisi au hasard. Et non, le hasard te propose un titre, mais tu as le droit de le changer 10 fois jusqu'à temps que ça fasse ton affaire. Donc, on va voir. J'espère aimer du premier coup le titre parce que je sais pas trop si je vais semi-tricher. À voir. Alors, qu'est-ce que j'ai pu dire? Ah, Two by Two. Ouais, ok. Il s'agit d'un roman de Nicholas Sparks. C'est l'histoire de Russell Green qui a 32 ans, puis en apparence, il a tout, la femme, la job, la famille, tout ça. Et dans l'espace de quelques mois seulement, tout va s'effondrer. Donc, il va devoir se faire à l'idée qu'il a une nouvelle vie maintenant. Et c'est la confrontation de devoir s'adapter à quelque chose de nouveau avec sa fille, je pense, je sais pas à quel âge. Puis bref, il va apprendre la nature de l'amour inconditionnel, mais là, cette fois-ci, c'est avec une enfant. Ils vont tout faire, two by two, à deux.
Donc, j'ai hâte de voir ça parce que, en plus, c'est une petite fille. Fait que je vais pouvoir m'identifier avec ma relation avec ma fille. Donc, j'espère que ça va être bon. Choisir au hasard. Bon, fait que, aucune règle violée parce que sinon, je l'aurais fait si ça n'avait pas fait de mon affaire. Vous pouvez me croire. Et finalement, la dernière catégorie, on y est arrivé. Un livre avec des illustrations. Pour celui-là, je vais faire mieux que ça. Je vais non seulement avoir des illustrations, mais il va y avoir plein de petites choses à l'intérieur de très agréables dans cette édition Minimalia. Minalima. J'en ai pas 56, des livres avec des images que je possède déjà parce qu'il y en avait en tête que j'avais envie d'essayer, qui était sorti en 2022. Mais ça irait un peu à l'encontre de l'esprit de MH Tapal qui est d'essayer de trouver des titres qui vont fitter dans les catégories mais que tu possèdes déjà. Alors bref, je me suis arrêtée sur le choix très 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 évident. Peter Pan par J.M. Barrie, puis c'est l'édition Minimalia. Donc non seulement il y a des illustrations quand même assez souvent, mais en plus il y a des petites cartes, c'est comme un pop-up aussi. Ça c'est comme les petites illustrations. Ah, ça mettons là. C'est comme une boussole fonctionnelle, c'est vraiment cool. Sinon, des choses qui tombent de partout. Wow! Puis bref, celui-ci aurait pu aller évidemment dans plein de catégories, dont acheter à cause du web, puisque c'est un livre qui avait été beaucoup apprécié. En fait, ça avait été sur le top favorite of all time de Murphy Napier. Donc, c'est une booktubeuse anglophone que j'aime suivre et elle n'a que de bons mots pour Peter Pan. Donc, j'ai vraiment hâte de voir s'il va faire le même effet sur moi parce que la version Disney. Même le film en vrai, j'avais pas tant trippé sur l'histoire, mais si on met l'emphase dans l'histoire originale sur le fait que c'est des enfants qui ne peuvent pas grandir, tout ce qui est l'innocence de la jeunesse, puis tout ça, si c'est profond, je vais aimer ça. J'espère que je vous ai diverti, que vous êtes restés jusqu'à la fin. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous avez pensé de mes choix, lesquels vous avez le plus envie de me voir lire, assurément. Je vais essayer de faire un 100% évidemment, mais sometimes life happens. Mais pour vrai, je pense que je devrais avoir encore une pas pire note. Si je l'ai déjà, je vais la laisser quelque part dans l'écran pour la version 2022 du défi. Et sinon, je vais vous retrouver bientôt, surtout pour la fin de l'année, avec mon top 10 2022 des meilleures lectures que j'ai faites. Sur ce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!